pas, donc c'est une démo d'un jeu qui va sortir très prochainement. Mais on aime bien les petits platformers horreurs comme ça. Surtout que la DA avait l'air très très jolie du peu que j'ai vu, c'est pour ça que je l'ai chopé de suite. Je me suis guère plus renseigné sur le jeu. Déjà la musique est cool, le menu est très cool, j'adore le petit truc en haut là. La musique est... Ah oui non, il n'y a pas de demi-mesure, c'est par 25. Bah 50, ça me paraît pas déconnant. Il n'y a que deux langues pour le moment. Ok, ça a l'air d'être un jeu italien, très bien. Bah les jeux d'horreur. Oh, je le fais, j'ai le droit. C'est pas interdit sur Twitch de se moquer des Italiens, ceux qui l'ont dit. Alors... Voyons voir. Petit instant roleplay. Darwin. Darwin. Jean-Louis. Ah. C'est un peu le même principe qu'Adventure Time en fait, tout ça c'est dans la tête d'un gamin qui est dans le coma. Jean-Louis. Oh. La direction artistique pardon, est somptueuse. C'est beau, hein. Pour l'instant c'est très beau. Oui, les Italiens, c'est eux qui nous ont fait Troll 2 aussi, effectivement. Alors, on a récupéré un petit chapeau. Putain, CVB espace, c'est très bizarre. C'est très bizarre pour mettre tous les doigts dessus. Tu viens de spoiler Adventure Time? Pas du tout. Il n'y a aucun spoil, c'est juste une théorie qui est là depuis la première saison et l'épisode 1 depuis au moins 15 ans d'existence de la série. C'est juste une théorie sur le net. Qui n'a jamais été ni confirmée ni infirmée, c'est juste une théorie de fan. Qui aime bien trouver des... tout théoriser un petit peu comme dans Pokémon aussi. Donc pour Pokémon aussi, il y avait eu ce genre de délire comme quoi c'était un mioche dans le coma en fait. Voilà, Sacha dans le coma, exactement. C'est beau hein. Putain que c'est beau. C'est injouable au clavier par contre. Oh ouais. Les têtes là qui nous regardaient dans le cadre, dans l'arbre là. Oh. Celle de Pokémon a des arguments très solides, mais celle de Adventure Time aussi. Hein. C'est putain de beau. Oh c'est beau. Putain, c'est beau. Ok, donc il y a des mécaniques de mort insta un petit peu à la limbo et tout, quoi. Ok. Adventure Time, j'aimais bien. Puis après, les saisons... Oh putain, mais j'avais pas vu les mecs derrière les arbres. Les dernières saisons sont devenues un petit peu plus sérieuses. J'aimais pas trop, à l'époque. Je voulais juste du fun, mais maintenant, avec un regard un petit peu plus vieux, j'apprécie énormément les dernières saisons. C'est beau. Début de Little Nightmares 2. Je me rappelle plus. On l'avait fait en live, mais je me rappelle pas. Je suis très déçu pour Nightmare 3, par contre. Hein. Le report. Bon, c'est pour le bien du jeu, hein, mais... Il y a l'air d'avoir un ordre. C'est un... Oui, bah oui, oui, oui. C'est réputé, mais c'est les trucs à éviter. C'est les théories de fans qui préfèrent pour essayer de s'expliquer des trucs inexplicables. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des explications dans tous les sens, alors que non, ils peuvent pas juste apprécier le fait que c'est juste une série légère. Et qu'il n'y a pas besoin d'aller de pisser plus loin, quoi. Je vois pas du tout ce que peut être la solution, j'ai pas spécialement d'indice. Quel est l'indice? Ah. Ok, ça a fini par marcher, mais j'ai pas fait gaffe. Attendez. Ok. Alors. Appuyons sur B.
Pourquoi B? Ah, B c'est pour tenir la cage, d'accord. Ok. L'ordre des ronds jusqu'à l'œil sur le dessin. J'ai même pas fait gaffe en fait, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Est-ce que je peux m'accrocher à leurs mains? J'avais pas vu le nombre de doigts. Non, ils en ont 5. On aurait dit qu'ils en avaient 10 000. Par contre, je peux pas pousser la caisse au-delà du... Ah, d'accord. 16p, hein. 16p, c'est très cool. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je me suis fait pulvériser. Ok. Ah, je l'ai vu à des kilomètres, mais j'ai raté mon saut quand même, quoi. Je peux pas visiter la grotte, non. Je l'ai vu à des kilomètres, ce trou, mais... Ouf, ok. Ok. Alors... Ok, une clairière un petit peu plus légère. Avec une jeune fille. Qu'on a l'air de connaître. Ok. On a un hibou. Ok. Un hibou avec un masque. Ou une chouette. Et la fille a disparu, très bien. Rappelons-nous qu'on est dans le songe du gamin, qu'il était sur son lit de mort. On est dans un songe. Une bonne vibe de Limbo Inside, ouais. Très bonne vibe, mais il a quand même son identité à lui, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au niveau du gameplay, ça se joue pas pareil, niveau gameplay. Enfin, le feeling des touches est très différent. Et il a une belle identité à lui, quoi. C'est pas juste il s'est contenté d'essayer de surfer sur le truc, et de pomper bêtement. Il a vraiment sa DA, et pof. La DA est belle. Elle est vraiment belle. Ça pue le futur banger, hein, niveau platformer horror. Ok, alors je me suis fait baiser par la porte. Ok, tu peux pas troller la porte, donc il y a autre chose à faire. Voyons voir. Chose à faire. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher une caisse, un objet, quelque chose à pousser peut-être? Ça me paraît... Qu'est-ce que c'est que cette putain... Ce putain de cauchemar? Oh, le design des ennemis... Le design des ennemis est vénère, hein. Wow. Putain. Ah bah oui, il revient là. Mauvais plan pour l'esquiver, là. Très mauvais plan. Ok. Est-ce qu'on peut... Bah non, le pousser, ça va être compliqué. Ah si, on peut le pousser. Et on va l'achever avec la porte. Ok. Ah bah on l'a décapité, très bien. Ah avec C tu contrôles la chouette, d'accord. Et la chouette te donne un autre point de vue. Ah elle peut récupérer des objets pour toi, d'accord. Ok, on a libéré la fille. Ou pas. Ok, donc tu peux contrôler les deux personnages, j'avais pas vu. Ok. Très très cool. Pour l'instant très très cool, hein, putain. Belle découverte. Alors, il y a une pierre ici. Qu'est-ce que je peux faire? A priori rien. Est-ce que notre ami... Hibou... Non. Hibouman peut rien faire.
Bizarre. Avec le hibou en haut, peut-être ? Yes. Merde. Oh ! J'avais pas vu la tête à côté. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ? Qu'est-ce que c'est que ce cauch... Est-ce que le hibou peut se faire manger ? Non. J'ai tombé. Ok, on va lui cramer la tête. Oh, qu'est-ce que c'était que cette saloperie ? On peut aller dedans maintenant ? Ok. Oh, mais la DA de ce jeu ? Aïe, aïe, aïe. Ok, je lui ai donné la gemme. C'est bourrin, hein. Une petite note aussi à récupérer, peut-être. Non, la note, on peut pas la récupérer. Très bien. La gemme à mettre ici, justement. Non. Comme ça. Ouais, les commandes sont un petit peu chelou au clavier, quoi. Le temps de s'y habituer, on aura déjà fini la démo. Ok, la gamine qui pleure toujours. Oh non, ça peut pas s'arrêter comme ça, putain! Les gars, 10 minutes de plus! Donnez-nous 10 minutes de plus! Putain! Donnez-nous 10 putains de minutes de plus, arrêtez pas comme ça! Oh putain, non! C'est trop court! Ah, c'est beaucoup trop court là! C'est beaucoup trop court, fais chier!